Seimu est l'un des 80 enfants du précédent empereur, Keiko. Oui, en ce temps-là, il était courant que les empereurs, et pas seulement eux, aient de nombreux enfants issus de plusieurs femmes différentes, bien entendu. Le contraire, en revanche, était déjà beaucoup plus rare. Et Seimu fait du coup figure d'exception, non pas par sa taille, contrairement à son père, mais du fait de sa progéniture, quasi inexistante. Seimu n'a eu qu'un seul enfant, un fils, nommé Wakanuke. Malheureusement, celui-ci est mort très jeune. Et bien que Seimu, comme la plupart de ses prédécesseurs, soit décédé à un âge avancé, bien que ridicule en comparaison des autres, hein, à peine 107 ans, un petit jeune quoi. Malgré ça, il n'a pas eu d'autres enfants. Pour la première fois dans la dynastie des empereurs, la succession ne se fit donc pas en ligne directe, puisqu'il désigna son neveu, le fils du grand Yamato Takeru, pour prendre sa suite sur le trône. Seimu aura néanmoins marqué son temps, car il est aussi le premier empereur à avoir mis en place des gouverneurs dans les provinces.